Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chasse à l'habitant, encore une fois. Alors, c'est Reynald qui est parti de mon île, mais vu que je l'ai en amiibo, en fait, c'est pour ça que je l'ai laissé partir. Comme ça, je peux directement le récupérer. Enfin, ça me fait pas time travel pendant des heures pour le faire partir. Et aussi, comme la dernière fois, je vous mettrai à l'écran les habitants que j'aimerais trouver. Il y en a un petit peu plus que la dernière fois, il me semble qu'il y en a 9. Allez, la première. C'est Luna, ça. Pas ouf, hein. Ma dernière chasse était déjà un peu plus chanceuse au premier ticket. Le deuxième. Ah, c'est déjà une île au crochet. C'est Angus. Du coup, je vais choper les clochettes. J'avais vu du vert de loin, mais. Non, ça ira. Ah. Non. Tonton. Ah oui, c'est un mec. Je crois que je l'ai jamais croisé. La cinquième. C'est une souris. Ah, c'est Sabrina. Ah, c'est Sab. Salut Sab. Salut Sab. Ah non, comment j'ai pas respecté Ultia. Mais elle est quand même trop belle. Voilà. On va arrêter nos bêtises là. Du coup, si vous connaissez pas Ultia, je vous conseille à 1000% de regarder parce que cette femme, elle me tue. Elle est juste trop drôle. La sixième, c'est Savannah. Et non. Septième ticket. Oh non, c'est Octave. Ah non, c'est Marvin. Je vais quand même lui parler. Et j'ai toujours aucune bouteille sur mes îles, c'est quoi ça? Quelle indignité. La huitième. Oh, la souffrance. Oh non. Avec son bonnet, il est encore pire. Bon, allez. Je vais m'attarder ici. J'ai vu du mort. Oh non. Je fuis. Ah non. C'est Lola. Ouais. Elle est trop drôle. J'aime trop les habitants qui ont deux petites dents comme ça, comme Esther. Il y a Épicure aussi qui a ça. Je trouve ça trop mignon. Onzième, ça m'a encore l'air d'être une la clochette. Ah non. Mais arrêtez! Oh là là, les gorilles, c'est vraiment des pertes de tickets, mais phénoménales quoi. Plus la vieille Gertrude là. Oh non. Bon. J'ai même pas dépassé le ponton, mais bon. Est-ce que c'est vraiment utile de passer le ponton? Je ne pense pas. Je ne sais même plus combien de tickets on a là. Ça doit être le 13e. Ouais, 13e. Calypso. Oh, Konzo, mon bébé. Oh, quel beau. J'allais lui reparler quand même. Il est vraiment trop cute. Mon papy. La 14e, c'est la bonne. Ou pas. J'ai vu que c'était un fourmilier. Ouais. Non. Oh non. Le 15e. Ah oh, non. C'est l'autre sur les roses. Alors, est-ce que c'est sucrète ou est-ce que c'est l'autre?
Oui, c'est super. Yes. Tout ce qu'on aime. Let's go. Oh non, c'est Chuck. C'est mon tout premier sportif que j'ai eu. Il était trop mignon, Chuck. Le tout premier débutant que j'avais eu, c'était Chuck et Faustine. Faustine que je supportais pas. Alors. Est-ce qu'on va se faire spoil comme l'autre fois? Oh! Aïe aïe aïe. Oh! Elle est trop mignonne. Mais j'ai déjà son amigo en plus, donc je la prendrai sûrement pas quoi, mais. Elle est trop belle. Ça me fait trop de la peine de la laisser là. 18ème île. C'est l'éléphant rose. Oh non. Ouais, non, flemme de parler. Hein. Mais j'en peux plus. Même les plants, c'est des gorilles qui me les donnent, genre. Les gorilles sont vraiment partout. Il y a plein de gens qui l'aiment, Dalma. Mais c'est pas mon kiff, genre. Ramsès est tellement mieux dans les chiens. Ramsès, c'est le meilleur. D'ailleurs, Ramsès qui a été élu roi des chiens dans mes stories Instagram. Et si vous ne me suivez pas, je fais des tournois d'habitants. Voir qui est le meilleur des chiens, qui est le meilleur des chats, qui est le meilleur des lapins. Du coup, si jamais vous voulez participer, bah, venez sur Instagram. Venez me suivre, on s'amuse bien. Allez, c'est la 20ème. Est-ce que le numéro nous portera chance? C'est un nom. Pourquoi j'ai autant de souris? Enfin, d'habitude, j'ai pas autant de souris. Dans tous les cas, j'aime pas les souris, donc ça m'arrange pas trop. C'est Tutu ou c'est Rosine? C'est Tutu. Trop drôle, Tutu. En vrai, j'ai regardé sa maison. Parce que si sa maison est dans les tons bleus, enfin l'extérieur en tout cas, je pourrais la prendre. Ah non, elle est complètement rose. Bon bah, rip, hein. Tu vas rester ici, Tutu. T'avais qu'à avoir une maison bleue. Encore John. Enfin, ça va, je vois pas tant que ça, mais je le vois pas mal quand même. Encore elle. Oh non. Premier doublon, 23ème ticket, super. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit tantôt, mais Renald, je le ferai revenir avec mon amigo. Et du coup, je le ferai remplacer Teddy. Enfin, comme j'ai 3 habitants sur mon île que j'ai en amigo, en fait, c'est plus facile de faire partir quelqu'un. Parce que dès qu'il y en a un des 3 qui veut partir, je lui dis oui et puis je le récupère juste après, quoi. C'est plus facile que de time travel pendant 2 heures pour faire partir un seul habitant. Là, dès qu'il y en a un de ces 3-là qui dit oui, c'est bon. Allez, j'espère qu'ils vont arriver bientôt, mes petits habitants. Ils ont pas envie de se planter, hein. Autant pour Théo, ça avait été super rapide. Je pensais que ce serait pareil, surtout que j'en ai encore plus que pour la chasse où j'ai eu Théo. Mais ils ont pas l'air d'avoir envie, hein. Allez, petit habit. Faut que j'arrête de râler. Sinon, forcément, ils viendront jamais chez moi. Je vais aller me changer. Peut-être que si je m'habille en bleu et en blanc, ils voudront venir. J'ai bien que ce genre de truc, c'est pas du tout vrai, mais j'ai réussi à avoir Raymond 2 fois en 7 tickets, donc je pense que tout est possible. Hein. Allez, on est parti. Si là, je trouve pas un habitant bleu, je sais pas ce qu'il leur faut. Hein. Ah. Mais encore une souris, c'est pas possible. Ah, voilà. Ok. 28ème île. Oh non. Oh. J'ai 2 loups dans ma wishlist, mais c'est pas le bon. D'ailleurs, si vous vous demandez parce que j'ai eu mon pull, ben c'est tout simplement moi qui l'ai fait. Je vous mettrai peut-être mon
code créateur en barre de description ou alors sur la vidéo. Mais ne vous attendez pas à des trucs de fou, hein. J'ai rien fait d'exceptionnel. Par contre, j'ai une amie qui fait des pulls et des vêtements, etc. Ça, je vous le mettrai aussi. Parce qu'elle est trop douée. Elle a une chaîne YouTube, d'ailleurs, c'est Abora Gaming, si jamais. C'est encore Gonzo. Mais non, ne me fais pas ça. Ah non. J'ai vu des tons bleus et blancs, je me suis dit, bah yes. Et en fait, non. Tout n'est que déception pendant cette chasse. Ah mais non. J'ai encore eu un faux espoir, là, avec sa peau bleue. Ah, c'est hippie. Elle était chez une de mes potes, mais... J'ai jamais eu, du coup, je sais pas si elle est vraiment si bien que ça. Je crois que c'est aussi une normale, du coup, en soi, elle peut pas être horrible. Toutes les normales, elles sont super choues. Et cet homme, là, de... Vraiment, ça m'étonne qu'on ait toujours trouvé personne, quoi. Mais bon, faut croire que j'avais vraiment énormément de chance dans ma dernière chasse. Jusque là, quand même, quoi. C'est pas comme si j'en voulais un seul précis et que je tombais pas dessus. Là, j'en veux 9, donc c'est faisable, quand même. Ce serait tellement bien qu'on puisse partir d'une île à une autre île sans devoir revenir à l'aéroport. C'est pas très écolo non plus de faire des allers-retours chaque fois. Bon allez. 34e. Oh. Oh. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh elle est trop belle. Bon j'avoue ses sourcils c'est pas... C'est pas les plus beaux. Mais elle est tellement adorable. Elle est vraiment assortie à moi, quoi. Oh non. C'est quoi ces petits yeux? Ah, j'avais jamais vu sa tête comme ça. Allez, viens. Du coup, combien de tickets? 38? En vrai, ça va. Comparé à la chasse de Damia, par exemple. Ah non, 34? Ouais, 34 tickets. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, je vais aller vérifier sa parcelle. Yes. Tadam. Ça, c'est la miniature en même temps. J'ai vraiment envie de la voir pour tester un peu parce que je la vois pas beaucoup sur des îles, sur Instagram, sur YouTube, etc. Je la vois pas souvent. Du coup, je suis contente de laisser une chance un peu aux habitants sous-côté parce que il y en a qui méritent, franchement. C'est sur cette belle image de ma parcelle vendue que je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié mon contenu, même si je râle un petit peu beaucoup en chasse à l'habitant. Mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. Du coup, on se dit à la prochaine. Et je vous laisse vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, bye.